Et salut tout le monde, c'est R212 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de l'épisode du Let's Me. Donc on se retrouve après avoir fait un petit live. Donc c'est un live où on allait à la recherche d'un Messa. Donc je vais aller justement à ce Messa pour vous le montrer. Pour commencer l'épisode, hop. Donc on va y aller par le Nether. C'est le plus rapide moyen pour y aller parce que c'est vraiment pas la porte à côté. Alors juste il faut que je creuse le chemin jusque là bas donc je vais activer les coordonnées. Alors je dois aller en 500 moins 125 donc c'est par là bas ok. Ah par contre ça va être problématique ça par contre. Vous savez quoi, je vais creuser jusque là-bas, enfin je vais creuser. Je vais plus poser des blocs jusque là-bas et puis on se retrouve au moment où je pose le portail, ça sera plus simple. Allez, à tout de suite. Ok, c'est bon, je suis arrivé à destination. Donc, on va poser le portail. Hop. Check. Oula. Pas maintenant s'il vous plaît, je ne voudrais pas mourir maintenant. Voilà. Bon après bien évidemment je sécuriserai ça parce que là c'est un peu genre dangereux. Link fait peur là bas maintenant. Je vais là bas d'accord. Bon ils sont un peu loin hein. À mon avis, ça risque pas grand chose, mais je préfère quand même sécuriser. Bon, voilà. Avant d'allumer, je vais quand même mettre une barrière comme ça. Ça évite que quand je réapparais, je retombe direct en bas. Ce serait ballot. Là, pareil. Hop, tchac, tchac, tchac. Et tac, tac, tac. Voilà. Donc, on prend un Flint and Steel et normalement je devrais arriver dans le Mesa. Oh, ça maintenant. Attention. Suspense. Yeah! Et voilà, on est arrivé dans le super Mesa qu'on a trouvé en live. Donc, encore une fois, hein, la rediff est disponible si ça vous intéresse. Tiens, voilà, c'est ça. Ouais, ils ont amélioré l'IA, mais c'est pas encore ça. Hein. Vas-y, meurs. C'est débile. Mais il retourne en plus. Hein. Vas-y, viens. Tiens, viens mourir. Voilà, il est mort. Je l'ai tué indirectement. Alors, voilà. Donc, c'est super. On a trouvé un Mesa. Et il y a un autre truc que j'aimerais vous montrer. Alors, je regarde juste. Où c'est 2 secondes. Tac tac tac. Parce qu'en gros, j'ai trouvé un biome. Alors, en 2500 moins 153. Ok. 2500 moins 153. Je vais m'y rendre et puis. Comme ça, je vous montre. J'ai trouvé un super biome. Donc, je suis plutôt content. Mais on se retrouve juste tout de suite en fait. Allez, c'est parti. Ok, on est arrivé. Je pense que vous voyez peut-être, si vous regardez bien, tout à droite. Voilà ce que je suis. Je suis tombé là-dessus en venant du biome Mesa, juste après le live. Et j'étais plutôt content. Donc, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est un biome Ice Spike. En gros, une plaine de pics de glace. Du coup, c'est plutôt rare. Du coup, je suis plutôt content d'être tombé dessus comme ça. Et c'est plutôt magnifique. Et puis, oh, un ours. Oh, un ajout complètement inutile. Oh, oh, oh. Ah bon, on voit bien qu'il est inutile ce truc. Rien qu'en voyant ça, franchement, on comprend tout de suite. Ouf. Est-ce que je le tue? Non.
tape pas les trucs trop faibles. Oh, je parle mal. C'est quoi ça là-bas? Donc, en tout cas, c'est cool. Je suis tombé sur un biome de pics de glace et ça, c'est plutôt génial. Du coup, bah voilà, je vous ai montré ce que je vais vous montrer. Bon, après, il est pas immense, immense. Mais bon. Donc, bah, je pense que je reviendrai là quand j'aurai besoin de glace, de la même glace, machin là, compactée. Donc, bah, en attendant, on va se retrouver à la base pour que je vous explique ce qu'on va faire pour cet épisode. Allez, à tout de suite. Ok, je suis rentré. Donc, je pense que vous avez remarqué, depuis le début de l'épisode, j'ai pas d'armure sur moi. Donc, en fait, pour vous expliquer, c'est que j'ai refait tout un stuff. Donc, en gros, j'ai fait tout un nouveau stuff pour spécialement pour cet épisode. Parce que aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire l'Enderdragon. Donc, du coup, je me suis dit que faire une nouvelle armure, ça pouvait être pas mal pour histoire de d'être mieux protégé, quoi. Donc, bah, normalement, je vous ai mis des images de quand j'ai fait l'armure. Donc, bah, je vais l'équiper tout de suite. D'ailleurs, hop. Je vais fusionner la Fire Aspect et la Sharpness, comme ça sera une meilleure épée. Et je vais changer de pioche et garder la looting dans un coin pour éviter de l'abîmer pour rien. Hop. Alors. Hop. Alors, on va tout de suite fusionner les deux épées. Tac. Comme ça, on utilise la superbe forge. Hop. Alors, je sais jamais dans quel sens c'est. C'est dans celui-là. Voilà, on a une super jolie épée. En plus, elle est toute neuve. Il y a peut-être un truc qu'on pourrait améliorer, par contre, c'est l'arc. Donc, je vais aller voir si je fais un nouvel arc et que j'enchante, ou alors si j'ai pas un autre truc. Infinity, ça peut être pas mal. On va aller voir ce que ça nous propose. Hop, on va prendre hop. Comme arc. Si ça nous propose un truc pas mal, peut-être que je l'enchanterai. Mais au pire, Power 4, ça peut être pas mal. Mais bon, Power 2. Ah, au pire, maintenant on peut l'attaquer au corps à corps, l'Ender Dragon, j'ai envie de dire. Donc au pire, maintenant, c'est plus trop un problème, l'arc. On va quand même se mettre... non, Infinity, je le garderai pour une autre... Et bah, un autre arc. Par contre, ce qu'on va faire déjà, c'est faire des yeux de l'Ender. J'espère que j'en aurai assez, sinon bah, je retournerai en farmer. Hein. Alors, non, le pain, je vais le garder par contre. Hop, j'ai tout normalement. On peut prendre des potions de speed si jamais c'est loin. Et c'est tout, je pense. Bon, on va y aller. Hop, on fait juste un petit 2-2. Voilà. Et on part à l'aventure. Alors, guide-moi, œil de Sauron. Par là-bas, ok. Yes, il n'est pas cassé. J'ai bientôt pris, oui, normalement. Des blocs peut-être. Je vais juste prendre des blocs parce que là je pars vraiment en mode YOLO. Hop, c'est pas là les blocs. Voilà. Des stacks des blocs. Tiens, on va utiliser les torches. La puissance des torches, hop. Check. Voilà. On fait un stack de torches, on en garde un petit peu encore. Et puis, bah, on va y aller. ouais, je réfléchis beaucoup quand même. Normalement, des flèches, j'en aurais assez. Je vérifie que je n'ai pas oublié un truc qui pourrait être utile, mais non, à mon avis, non. Bon, vas-y, on y va, hein. Et sinon, on va rester ici pendant des plombes. Et c'est pas le but.
boire une potion. C'est parti. Ok, ouais, il y a un creeper qui vient de péter pendant que je lançais l'enregistrement. C'est plutôt ballot. Donc je vous reprends. Alors entre temps, je suis retourné dans la maison parce que en gros, j'avais plus assez de d'Ender Pearl, enfin d'Ender Day of Ender. Et puis du coup, ben je me suis fait un arc Power 4. Et d'ailleurs, j'ai oublié de remettre ça. Tant pis. Et du coup j'ai refait le stock de ça et puis je me suis souvenu que le dragon maintenant il lâche des trucs du souffle de dragon. Et puis j'ai refait un bouclier parce que ça peut être pratique. Non, je veux pas de toi. Voilà. Donc et du coup je vous reprenais parce que là je suis tombé sur une forêt de fleurs et c'est magnifique. Du coup je voulais vous montrer. Ça fait 3 biomes dans l'épisode quand même. C'est plutôt cool. Du coup, normalement, on devait pas être trop loin. Ok, c'est par là-bas. Oh, bah, il est pété. Tant pis. Donc, on va y aller, hein. C'est parti. On va essayer de le trouver. Donc, là, je vais pas faire de coupure vu qu'on devrait plus être trop loin quand même. Ça fait déjà un moment que je me balade. Oula, il est parti où? Ah, il repart dans l'autre sens. Ok. Par là. Ok. Hop, ici, il est où? Où est-ce qu'il est? Ah, en dessous. Donc, il doit être par là, alors. Du coup. Donc, on va se mettre à côté du sable. Puis, on va creuser. Hop. D'ailleurs, tout à l'heure, en me baladant, j'ai cru être tombé dessus. Mais en fait, genre, j'ai eu un bug. L'Ender Pearl n'est pas apparu et du coup j'ai cru qu'elle était allée sous la terre et du coup j'ai été me balader dessous. Mais en fait je cherchais pour rien n'importe comment. Mais bon j'étais pas au courant. Donc on va creuser vers le bas. J'entends un squelette. Mais je ne vois rien. Si je lance une Ender Pearl, où est-ce qu'elle va? Oula, non, pas ça. Par là-bas, elle remonte par contre. C'est-à-dire, je suis descendu trop bas. Oh! Ah, je crois qu'on l'a trouvé. Yay! Ah, on est au-dessus. Ok, c'est bon, on a trouvé le mineshaft. Maintenant, va falloir explorer. C'est parti. Ah, voilà. Bon, voilà pourquoi j'ai pensé au bouclier, parce que c'est toujours pratique en vrai.
Hop. Oh. Bon, après, avec mon armure, je prends pas trop de dégâts, mais j'ai pas trop envie de l'abîmer, en fait. Ouais, bon. Du charbon, une pomme. On va stocker des trucs inutiles. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut stocker? Le lit, je vais le garder. Pour le mettre devant le portail au cas où je meurs et mince. Salut. Tu as testé mon nouvel arc? Voilà, tu es mort. Wow. Pourquoi il y en a plein? Comme ça. Wow, et d'où il sort? Non, mince! Et zut! J'ai pas lancé des yeux. J'espère que je vais pas en avoir. Je vais pas en manquer. Ah, le truc trop bête. Je l'ai mort. Je vais essayer, je vais les retirer parce que sinon je vais encore faire n'importe quoi avec. Et j'ai pas trop envie de les faire. Non, ici c'est une grotte. C'est pas intéressant. Enfin, pas pour l'instant. Bon, bien sûr, hein, je pense que je ferai des ellipses si je trouve rien. C'est vrai qu'il y a des boutons si ça marche. Ok, ici c'était nul. Après, je suis pas mal le fail, hein. Je sais pas combien d'underpearls comme ça. Enfin, underpearls. Oh. Oh, j'adore. Les pommes. Alors, je m'en fous un peu maintenant, j'ai trouvé un dessin. Lel. C'est cool. Un squelette, salut. Je te regarde mourir. C'est débile. Il est déjà mort. Bon, on va faire pareil avec lui. Il est ou quoi? Je crois qu'il me voit pas en fait. Ils ont pas le temps de me voir. Ça doit être ça. Parce que sinon c'est un peu bête. Oh, une cellule avec un squelette dedans. Et une cellule avec rien dedans. Salut le squelette. Bah, je t'ouvrirai pas. Ah, pas mal. Genre, ok, bon, si tu veux. Donc, je souris. Je me fais peur. Alors, une fontaine, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. C'est très, très waouh. Ok. Oh, il y a des escaliers, hein, on monte. Une salle vide, c'est pas mal. Ah, la bibliothèque, cool. Ben, je vais noter les coordonnées parce que je vais pas prendre les livres maintenant, au cas où je meurs dans le vide. D'accord, j'ai pas vraiment l'intention de mourir dans le vide, mais... si jamais. Bon, déjà, je perdrai tout mon stuff, ce sera pas cool. Hop, on est clair. Donc en fait, on va éviter de mourir dans le vide. Oh, c'était... On va essayer d'éliminer le creeper, qu'est-ce que ça fait dans le... Oh, finalement, one shot. Bon, ok, t'es mort. C'est pas... Ok, il pète comme ça. Oh non. Oh. Ok, alors, ah, ici une fontaine avec une autre bibliothèque. Bon bah ok, hop. On garde ça en mémoire. Tutulum. Et là. Encore une descente. Encore une descente. C'est quoi cette descente aux enfers, sérieux? Qui donne sur... Waouh, mais c'est n'importe quoi ici, c'est une grotte, mineshaft. Ah ouais. Ouais, ah, j'ai trouvé. Voilà, ça y est. Spawner neutralisé. Toi, t'es mort. Ensuite, ça c'est fait. Ça aussi c'est fait. Et ça aussi. Genre pour éviter les accidents. Parce qu'un accident, c'est vite arrivé. On dirait un truc, un message de prévention, le routier. N'importe quoi. Non, pas là. Bon, est-ce qu'il va m'en manquer? Oui, évidemment. Bon, super. Eh ben, vous savez quoi? Moi, je vais continuer à explorer le mineshaft, sans doute en ellipse, parce que...
parce que sinon ça va durer des plombes et zut. Et puis du coup, on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai assez d'œil de l'Ender et que j'aurai aussi retrouvé, j'aurai visité le reste du mineshaft. Allez, à tout de suite. Ça s'enfonce encore. Oh, trop bien, je suis en prison. Mais en fait, je peux sortir par là. Waouh. Bon, allez, à tout de suite. Ok, c'est bon. J'ai exploré le reste du mineshaft, il n'y avait pas grand chose. Hein. Genre, c'est juste des couloirs et des portes et des cellules et des trucs comme ça. Et je suis allé chercher ça, c'est assez pénible à trouver, enfin à trouver, à looter. Donc on va enfin pouvoir aller dans l'Ender, pouvoir aller tuer notre ami le dragon, du coup c'est pas vraiment notre ami. Donc, alors, je me prépare, il faut que j'ai des blocs si jamais je spawn dans une... au niveau d'une... d'une plateforme du vide, dans le vide. Donc je me prépare et puis on est prêt. Allez, 3, 2, 1, hop. Allez. On saute. Allez, on est prêt. The end. Achievement. Oh oui, on est assez loin. On va essayer de se dépêcher. Dépêche. C'est le stress. Le stress! Oui, on y est. C'est bon. Donc à partir de maintenant, il suffit juste de pas se rater et de pas tomber dans le vide bêtement. Mais normalement, ça devrait passer. Et puis aussi de pas regarder les Endermans, sinon c'est la mort assurée. Vu mes skills à tuer les Endermans. Quoi? Mais j'ai regardé personne! C'est pas vrai! Je vous ai pas regardé! Ah, par contre, le son est un peu trop fort pour vous. Je vais baisser ça tout de suite. C'est pas dans la vidéo setting, c'est dans Music and Sound. Aussi créature. 60%, ça devrait aller. Ok. Bon. On va commencer par détruire ces machins, hein. Comme tout bon combat de dragon, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps. Boum. Boum. Ah ouais, c'est vrai, maintenant il tire des trucs. Tu l'as fait péter ou quoi? Ah ouais, vas-y, on va essayer de récolter ces machins. Ah, il y en a plus. Non, je l'ai pas eu là-haut. Alors. Oh. Pourquoi ils s'énervent les Enderman? Mais c'est parce que le dragon il les. Ah, évidemment, le dragon il les énerve, c'est pour ça. Oh, salut. En fait, ils sont énervés après lui, du coup, en fait, je crains rien. Bon, elle me saoule ce truc. On va faire les autres. En attendant. Ah non, par contre les prises, non merci. Voilà. Ah. J'ai des très bons skills à tir à l'arc, lol. Le nombre d'Enderman qui court après. Censé faire des dégâts ces trucs normalement. Je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Oh, c'est quoi ce bruit? Ah, ça lui rebondit dessus. Oh, yeah. Du coup, il m'en reste à détruire ou quoi? À part que je prends des pièges. Je crois pas. C'est vraiment un bruit d'enfer. Hein.
contre, je crois que j'aurai pas assez de blocs. Du coup, on va récolter des blocs hein, pendant qu'ils se baladent. C'est encore pété hein, le combat contre le Ender Dragon, je trouve. C'est débile. C'est pas encore un combat assez compliqué. Après, c'est que mon avis. Hein. Ah, je l'ai pas détruit celui-là là-bas. On va essayer de l'avoir. Raté. C'est bon. Ok. Du coup, il y a celui-là. Oh. Oh, il a touché. Il a réussi à me toucher. Oh. Incroyable. Hop. Bon, dès qu'il se pose là-dessus, je pense que... Oh non. Non, j'ai pas regardé des dermes. Non. Je crois pas. Je crois que c'est toujours lui. Bon, on va essayer de monter. Afin de détruire son truc. Wow! Oh non, j'ai arrêté de mettre mes jambes. C'est dangereux, hein. Parce qu'il projette en l'air un truc de ouf. Wow. Il est violent par contre quand on monte à ces trucs. Ah. Ça c'est problématique parce que là j'ai déjà pris cher alors que je suis pas monté trop haut. Alors quand je vais devoir monter haut, ça va être festival. Lol. J'aurais dû m'entraîner au MLG avant de venir. Bon, dès qu'il se pose sur son truc, aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est, vite. Dépêche, dépêche, dépêche. Non ! Ah, il m'énerve. On va y arriver. Au pire, on fait un escalier, vous savez quoi. Hein. Mais pourquoi vous m'attaquez ? Non, je vais rien faire. Je vais rien faire. Je vais rien faire. Je vais rien faire, sérieux, non. Oh non, oh là là là. Oh le caca. Oh c'est le caca, oh c'est le caca. Oh c'est le pire caca, oh c'est le pire caca. Salut. On va essayer de tuer comme ça, hein. Voilà, c'est bon. Allez, on se barre. Bon. Par contre, quand il nous touche, par contre, à partir de là, ça devient assez difficile de résister. Enfin, ok. Salut les Enderman. On va essayer de faire un escalier, hein. Aïe. Wow. C'est assez bizarre quand même que les Enderman soient furax envers leur chef. Enfin, je sais pas si c'est leur chef, mais enfin, je trouve ça bizarre. On va essayer de faire un escalier. Potable. Aïe, 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 aïe. Bon, je pense qu'on va accélérer ça. Hein. Parce que c'est un peu ridicule quand même ce combat. C'est un combat sur l'usure. Et est-ce que j'aurai assez de bouffe pour me régénérer ou pas? Mais par contre, il est très pénible quand il nous repousse. À chaque fois. Moi, j'essaie de pas regarder les Enderman. Bon, en fait, il faut que j'évite. Faut que j'évite de regarder. Ah, non, mais... Ah, oh, voilà, j'en ai trop. On va faire un escalier. Voilà. Comme ça, là, je pourrais monter avec un escalier. De type cool. Non, non! Oh, j'ai réussi, oh mon dieu. Je suis trop fier. Mais au pire, il n'y avait pas moyen genre de glitcher le truc. Non, ça devient pénible, le son. Il n'y a pas moyen de... Non, il n'y a pas moyen, je crois. Par contre, ça, c'est vraiment pénible. C'est bon, on y arrive. Ouah! Et de 1, on se tire. On va enfin pouvoir frapper le dragon. Allez, plus qu'une tour, je crois. Ouais, c'est la dernière. Génial. Non, on va pas se mettre de ce côté parce que sinon,
s'il nous repousse. Il nous repousse vers le vide et ça, c'est dangereux. Ah ou non, pas sur moi. On a plus le temps. Allez, allez. Voilà. C'est bon. Bon, maintenant on va pouvoir enfin commencer le véritable combat, on va dire. Entre gros guillemets. C'est-à-dire le combat où, eh ben en fait, on lui tire à l'arc. Et quand il se pose, on lui attaque au corps à corps, tout simplement. Oh non, il en reste une. Mais elle est haute celle-là. C'est moi où elle est dedans. Ah, j'ai touché le. Oh oui. Oh, c'est beau. Oh, ça a l'air bon. Ah, mais c'est un bruit d'enfer, c'est horrible. Il fait beaucoup trop de bruit, je trouve. Hop. C'est bon. On va enfin pouvoir l'attaquer. Ah, par contre, mon eau, elle est où? Elle est où, mon eau? Oh non. Il est passé où, mon sono? Ah, par contre, ça, j'aime pas les bugs de Minecraft qui m'ont. Ah, mais il fait beaucoup trop de bruit. Vraiment. Où est-ce qu'on enlève ce bruit? C'est quoi? C'est environnement? On va baisser le tout. Hein. Mais c'est vraiment trop bruit. Genre, il veut vraiment pas arrêter. Bon, on va essayer d'attaquer là. Allez. C'est très le combat, il me reste une flèche 16. Oh, c'est pas beaucoup. Non, non, mais m'attaque pas, en plus j'ai plus d'eau. Oh, la mort. Le petit ça. Ok, c'est bon. C'est le moment de frapper. C'est le moment de frapper, allez. On se barre. Esquive. C'est bon. On lui a fait masse dégâts là quand même. Yeah. On l'aura pas comme ça et en plus j'ai presque plus de flèches. Je vais essayer de garder pour un autre moment. Ok, c'est maintenant. Vas-y. Voilà, au prochain coup on l'aura. Ouh, il m'a fait mal. Ouais, tiens, deuxième Enderman qui s'énerve là. Il est où? Oh, il est mort. Ah, c'est le moment de l'achever. On va l'achever. Oui, on a tué l'Ender Dragon. Yeah. Allez, XP. XP. Yay. Bon, faut récupérer l'œuf maintenant. Bon, pour ça, il y a technique et simple. Hein. Il est parti. Là-bas. Mince, désolé, je t'ai pas gardé. Non, mais non. Je t'ai pas gardé, je t'ai dit. Oh, tu saoules. Voilà. Maintenant, tu vas mourir tranquillement. Il est parti où? Où est parti l'œuf? Je sais pas du tout où il est parti. Et puis en plus j'ai même pas de quoi le récupérer. Je suis trop bête. Genre je pensais que j'avais des torches mais j'en ai pas. Bon bah je reviendrai le récupérer juste après hein. Enfin plus tard. D'ailleurs il y a un portail qui est apparu là-bas. Donc on pourra aller explorer l'Ender une prochaine fois. Oh bah tiens mon seau d'eau. Ça l'a pas récupéré. Et la source était là, je suppose. Ouais, c'était ça. Ah, les bugs. Minecraft et les bugs. Ah, mais il est là. Ah, on peut récupérer. On peut tenter de récupérer une torche. Genre en faisant comme ça. Il est parti. Ah, il est là. Ok, on va creuser délicatement. Hop. Et voilà, on récupère l'œuf. Magnifique. Yay. Bon voilà, ça fera notre
succès du jour. On a eu les... On a battu le roi de l'Ender, je veux dire. C'est pas vraiment le roi. Enfin, le boss de Minecraft, quoi. Celui qui permet d'afficher la fin. Donc, bah, c'est plutôt cool, hein. Bon, allez, je vais passer ça. Parce que c'est, ça dure assez longtemps. Et où est-ce que... Oh, non. C'est parce que j'ai dormi en venant. Bon, bah, on va se retrouver à la base, hein. Petite ellipse. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve, je suis rentré à la base. Donc, j'ai le relève de dragon. Donc, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ça, c'est cool, je vais pouvoir faire des potions de lingering. Genre les potions qui restent au sol, comme le souffle du dragon. Ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. Genre maintenant, on peut en avoir plein. Vu qu'on peut refaire le boss fight. Donc, je sais pas encore ce qu'on va en faire. En attendant, pour l'instant, je vais le stocker ici. Hop, je le mets ici avec mes loot plutôt cool. Et ma bonne mille aussi. je vais poser ça là. Ça avec. Donc, j'avais un lit là aussi. J'ai tellement lit. J'ai dit lit là, c'est drôle. Ouais, désolé. la bedrock. L'endstone. Bon, hop. Hop. Ça, c'est moche. Et, bah, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Hein. On aura fait un truc qu'on fait pas tous les jours. Et puis, du coup, on peut maintenant accéder à l'end. Du coup, je pense que dans un prochain live, on ira explorer l'end pour trouver un bateau et potentiellement des élytras. Donc, ce sera sans doute ce week-end ou je sais pas trop quand. Enfin, ce week-end, je sais pas quand sortira cette vidéo, du coup, en fait. Je pense que sortira plus un samedi, vu que j'ai mis du temps à la tourner. Donc, je pense que on fera le live la semaine d'après. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.